Et c'est tout. Parce que je ne... Par simple. Mais voilà pourquoi nous casser le sacrifice de... Oh, vous avez compris. Voilà, je suis de retour comme vous l'avez vu parmi vous et je suis en train de faire une espèce de... Voilà, si je baisse le son, je suis désolé. Parce que Nintendo va un peu me chicaner, voilà. Je peux pas vraiment mettre de musique. Musique ou quoi que ce soit. Parce que, wow, le malade, toi là. Attention, je largue une bombe. Oh, la violence gratuite. Les enfants, la violence gratuite n'est pas admise. Sauf entre amis, bien sûr. C'était une pause publicitaire de violence gratuite après l'utilisation. 9,99 est accessible à votre frais. Au revoir. Aïe, non, mais t'es pas sérieux, t'as pas payé tes frais, vieux crouton. Tout ça pour dire que je suis de retour un peu sur le gaming. Aïe, bitch. Excusez-moi du langage, merci mon roi, et je vais me la morfler. Je me demande c'est qui. Ah, voilà, j'ai eu réponse à mes questions. Et hop, avant de me faire éclater la tronche de cake, hein, tronche de gâteau, cake, gâteau. Ah, vous êtes moche. Oui, j'aurais mon Bluetooth en ce moment, mais... Ouais. Mémoire. Réfléchis. Qu'est-ce que tu pourrais utiliser comme moyen le plus accorde de faire de la musique? Il y a vraiment la radio, mais... Parce que vous aimerez attendre la radio. Pourrais lever le son, mais ça faut. J'en parle à Nintendo de tout ça. Et malheureusement, j'ai aucune nouvelle, sauf des avertissements qui m'énervent. Parce que. Ah oh, crotté de bœuf. Parce que j'ai quand même acheté le jeu, j'ai quand même payé la contribution de chez Nintendo. Et tout de même, je me fais harceler de messages comme quoi que j'ai pas le droit à cause de telle musique et telle chose. C'est bonne valeur, mes gars. C'est bien beau, là, mais que j'avais pas le droit de le... Tasse-toi, le Todd! Tasse-toi de mon chemin! Ouch, ça va faire mal. Ça va pas aussi proche de faire un vieux pet fouilleux, là. Un pet bombe à l'américaine. Je dirais autrement, mais... Je suis anti-racisme, donc pour ceux qui ont peut-être eu la référence, je m'en excuse si on popé. Et en ce qui concerne les Arabes, Juifs, Russes et j'en passe, je suis totalement ami avec eux. Je les aime bien et moi, ça me dérange pas partout. Même les Noirs, ça ne me dérange pas. Ils sont admis, ils sont même la bienvenue dans ma vie. Même s'il y a la guerre, etc., et j'en passe, je suis vraiment pas raciste du tout. Je vous le dis, j'ai des amis Noirs, j'ai des amis...
Petrus, mais autrefois, j'avais une amie qui s'est virée un petit peu à... Oui, là, je suis pas choqué. Qui est virée un peu amoureuse dans quelques temps et... Bref, était russe et juive. Et puis... Disons que c'est comme ça. Il y a des affaires personnelles que j'aimerais pas en parler et d'autres qui ne sont pas aptes à parler dans les radios. Les radios. Waouh, j'ai mélangé radio et réseau. Fait que ça fait radio. Les réseaux sociaux. C'est-à-dire YouTube, Facebook, etc. Pour ceux qui veulent me rejoindre sur Facebook, Alex Lefrançois, par mon Facebook, ou Akio Shikume par mon deuxième anonyme, qui d'ailleurs ne sera plus anonyme dans bientôt. Pour ceux qui ont un petit peu tilté le message. Voilà. Et puis, c'est ça. Puis sinon, tout va bien dans ma vie. Voilà, j'étais avec Foxy, alias Alia Love, pour ceux et celles qui jouent à Aura Kingdom, et moi c'est Akio Shikume. Et je suis rarement sur mon compte, donc c'est un autre nom que j'ai. Je m'en souviens plus tellement, mais ça devrait être. Fudge. Non, c'est pas ça. C'est, je pense, Light Knight, le chevalier de lumière ou quelque chose genre, un truc de ce genre. Et puis, voilà. Ah, je suis premier, lol. Et puis, c'est rare que je joue à Aura, donc c'est très rare aussi que je suis sur les réseaux sociaux. Genre, juste mes vidéos chez moi et j'ai publié fur et à mesure. Ah fuck! J'ai publié fur et à mesure. Ouais. Je suis dans la mouise parce que je vais tomber troisième. Et qui dit troisième dit trophée de bronze. Parce que j'ai plus internet, j'ai plus accès à RA, j'ai plus rien. Donc, pour moi, faire des vidéos, puis vous contacter, c'est la meilleure des affaires que je puisse faire. Fudge! Crotte de bœuf! Oh là là, oh là là, oh là là, oh, ça sent, oh oh! Voilà, c'est mieux que je puisse faire. Et désolé pour la qualité, comme je vous dis, je n'ai plus rien, donc plus d'ordi. Plus d'internet, plus de logiciels HD. Donc pour ceux et celles, et aussi plus de téléphones HD. Donc c'est les ceux et celles qui voulaient avoir des qualités de haute supérieure, et ben ils vont se contenter de sa qualité médiocre qui est à chier. Merci de passer à la porte prochaine, à votre gauche, bien sûr. Oui, je fais des blagues d'ici là. Donc, j'aimerais ça passer un message personnel et public en même temps. Le mois d'août prochain, cet août ici. Ceux et celles qui sont au Québec et qui aimeraient un peu participer à un événement qui anime convention, voilà, Otakuton, si vous connaissez ça, eh bien, je serai de la partie, ouch! Et j'y serai avec Foxy, donc... Ah, tu me fais chier! La 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 la! Je déteste les ordinateurs, je déteste quand ils te font ala, ala, mana, mana, mananana. Oui, je suis pas raciste. Je m'allais dire quelque chose d'arabe, oui, mais
je me suis dit, ce serait pas préférable, donc, ta boîte. Pourquoi je finis tout le temps 4-4-4-4? Je finis quatrième, bordel. Ah, je finis troisième. Oh là 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 là, la loose de chez loose. Et puis, c'est ça, puis... Je veux juste dire comme quoi je vais être là cette année une convention l'année prochaine. Ah! Belle! Et puis aussi pour ceux et celles qui veulent avoir un amour, une amoureuse, faites pas ce que j'ai fait dans le passé. Ce n'est à déconseiller pour ceux et celles qui veulent faire. Comme je me dis, les manger de marde. Ou préférez-vous ceux qui ont tendance à être un petit peu fouineurs. Fouineurs et, bien sûr, fouineurs et... Il y a un autre mot qui m'échappe. En tout cas, vous me direz ça dans les commentaires. Comme bien fatigué. C'est bien beau que t'aimes quelqu'un, mais genre, si t'es avec quelqu'un d'autre, au moins sois franc. Soit dis-lui que t'aimerais que ça se finisse là parce que t'as plus aucun sentiment, ou soit tu dis à la personne que t'es en train de côtoyer ou parler, excuse-moi, mais j'ai quelqu'un dans ma vie, puis je l'aime. J'ai fait une gaffe avec quelqu'un qui peut-être un jour va se reconnaître dans les réseaux sociaux. Je nomme pas de nom, je nomme personne. Mais cette personne méritait mieux, je crois. Puis même si ça a été fini avec l'autre personne avec moi, qui est avec moi, je crois que malgré ça, j'arrêtais pas capable de rester avec elle. Le pourquoi du pourquoi, je vais vous le dire. Les personnes que je vis en ce moment, ça fait plus de 5 ans. Je l'ai fiancée. C'est à où cette année? À où cette année? À la convention. J'ai eu beaucoup de moments heureux, tristes, chamboulés. Mais cette personne-là, jamais au grand jamais je vais la laisser. Elle a un petit quelque chose qui en elle, que j'ai de la misère à dire. Mais qui m'a toute chose. Oui, j'ai déjà été à avoir erreur pendant que j'étais avec. Et cette erreur-là, je ne la recommencerai plus et jamais de ma vie. Je veux dire une chose. J'ai eu ma leçon. Oui, ça a peut-être blessé plusieurs personnes. Mais sachez, voilà, qu'elle m'a pardonné. Et encore aujourd'hui, j'étais avec. Cependant que cette personne-là a le pied sur son cœur ou son orgueil ou sa conscience ou peu importe. Et elle me dit, en tout cas là, je vais lui laisser une seconde chance. Je sais que tout va bien se passer, j'en suis sûr. Et puis, elle m'a pardonné. Elle m'a pardonné, et puis, elle a dit, je t'aime, mais j'ai pas aimé ta
ta connerie de fait. Je veux plus jamais que tu recommences. Puis de nos jours, j'étais avec elle, puis j'ai plus jamais recommencé. Mais l'autre personne sache que je m'en ai. Je suis sincèrement désolé. Si je t'ai causé de la peine ou du tort, je crois que tu méritais mieux, je crois. Et même je le sais. Et puis, c'est comme ça. Je peux pas dire plus, je peux pas dire moins. Mais au moins, tout le monde est. C'est réglé. Tout le monde s'est réglé. Tout le monde s'est calmé. Tout le monde a trouvé son havre de paix. Et puis, sachez une chose. Je veux pas entendre des commentaires. Ah, ben moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non. Je veux des commentaires. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie? Est-ce que... vous l'aimiez? Est-ce que vous l'aimez? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Puis est-ce que... vous voulez vous marier avec, vous fiancer avec, faire le grand pas, l'aimer pour toujours, ou simplement une amour de... quelques mois, quelques années. Ensuite, on change de personne. Sachez une chose, aimer quelqu'un, c'est une chose. Mais, non, c'est apprécier quelqu'un et donner de l'amour, c'est quelque chose. Mais aimer quelqu'un puis rester avec, c'est autre chose. Sachez que c'est beaucoup plus différent. C'est beaucoup plus... rough qu'on le pensait, que vous le pensiez, parce que des fois la personne qui a fait le pas, c'est pas toujours la meilleure bonne réponse qu'elle va vous donner. C'est souvent va chier, des affaires de même, ou ah oh, j'ai pas envie, ou des affaires de même. Mais sachez que peu importe ce que vous faites, ce que vous êtes, ou ce que vous voulez devenir, pensez à cette vidéo. Ah, il y a un autre détail. Juste mentionnez pas le nom de votre copine ou copain. Je crois que ça va lui faire plaisir de t'sais, à moins que par les hasards de même, hasard, pas hasard, what the fuck, par des et par comme ça, ils disent « Ah, ça me dérange pas que tu dises mon nom », mais tout de même, ce serait préférable que les noms des personnes restent anonymes. Je veux pas le savoir qui et puis qui. Je veux même pas, mettons, si je la croise dans la rue, puis que je sais son nom, puis je sais que c'est qui. Et je veux pas de photo non plus, s'il vous plaît. Et la croiser en rue, puis dire hey, salut, puis genre, vous venez la voir, puis savoir qu'est-ce qui est arrivé. Puis des fois, il y a du monde qui sont peut-être un peu comme, je pourrais dire, comme triste. Moi, les voir triste, j'aime pas ça. Je suis quelqu'un happy, qui aime voir les gens heureux.
les gens qui n'ont pas de peine. Mais je suis aussi là pour justement rendre heureux les gens. Bon, ben, on peut pas dire que la chance me sourit. Hein. La chance ne sourit pas. Elle me boude. Elle pleure. Non, toujours la même meilleure course. Oh, la violence gratuite. C'était la compagnie Air Canada. Eh oui, j'ai mentionné Air Canada, mais s'il vous plaît, pas de panique, Air Canada, s'il te plaît, ne pars pas en vrille pour des simples choses. C'était juste des blagues. Bon, on va faire un peu de course contre, ça me tente. Pardon, excusez-moi. Là, vous allez voir, tous les noms, il y en a des noms que j'ai inventés. Et voici ma copine, qui est en fait, si je trouve son personnage, celle-ci. Allez, j'avais enregistré ça, là-dessus. Voilà. Mais, c'est pas lui qu'on va utiliser aujourd'hui. Mais yo, mon ancien personnage, mon tout premier personnage. Il est où? Et il y en a d'autres comme lui. Lui, c'est mes collègues, ça c'est ma mère. Voilà, la mère de S. Voilà, Estelle. Voyons. Oh non, dis-moi pas qu'il a disparu. Oh, c'est une horreur. J'ai perdu. J'ai perdu. Ah non. Non, mais ça, c'est mon ancien personnage. Mais je parle plus ancien que ça. Eh ben, je l'ai perdu. Alexis. Ah, voici mon ancien personnage, Alex. Et oui. J'étais un peu moche. Mais ça fait la beauté de la chose. Ah, on s'en entend-tu? Tiens, j'ai goût de les objets. Oh, ça va éclater, je vous le dis. Ça va faire boum. Ça va faire mal. Je vous dis, ça va être du nawak. Du n'importe quoi. Après cette course, on va se dire un petit coucou, au revoir. Oui, c'est ça dans le tabarouette. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Et un coucou et au revoir. À la prochaine. Après cette course. Bon. Je vais dire, ah, mais c'est pas. Je crois que j'ai oublié de mettre 100 cc. 200 cc. Aïe! Ah, j'avais oublié ces bombes. Aïe, ça va être. Oh, aïe. Oh, waouh. La violence explosive. C'est vrai, c'est avec la bombe. Eh,
T'avais une bombe, c'est de la bombe. Non mais sérieux. Oh my god. Je sens qu'on va vraiment pas se... Ouf, ça va péter, je te dis, et ça pète de partout. Ça pète de partout. Habituellement, je suis toujours premier avec ça, mais là... Aïe, aïe. Je dis, ça va être n'importe quoi. Ah, je vous dis, juste voir comment que ça pète de partout. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Ouch. Yo, prends de la graine. Tout le monde est mort, presque, tu sais. Bazin qui lance une bombe en avant. Aïe, aïe. Sur ce, je vous dis ciao et à bientôt. Oh, mais il y a... Ouais, on va la refaire. Mais, sauf pardon, je vais essayer avec le mode carapace. Peut-être bien? Oui, je vais quitter la course. Marrant. Ou peut-être... Bon, je vais choisir mon vieil ami depuis toujours, mon cher compatriote et partenaire de patin. Oui, je fais du patin libre ici à Laval, Saint-François. Pour ceux intéressés qui sont proches, me venez rencontrer. Donc, j'aide, pas de problème. Mode exclusif, carapace, banane, champignon. Champignon. Oh, ça va être drôle. Eh, c'est bon, ça va partir, man. Pour ceux et celles qui veulent me rencontrer et me dire un petit coucou à mon travail, je vais juste monter le son pour les dernières petites minutes. Question pour faire écouter un peu la musique. Voilà. C'est parti. Oh merde. Bon, tant pis. Voilà, en ligne droite, je vais essayer de baisser le volume. Voilà. Ah, crotte. Oui. Yo, man, c'est rendu champignon time, man. Ça va rouler. Oh. C'est ça qui est ça, puis... Hey, il y avait des champignons, Bin! Vous êtes des arnaqueurs! Hey, ils sont arnaqueurs, man! Ils me donnent une scène! Tu sais ce que je fous avec ta scène, man? Lui, je tombe comme une grosse merde. Ha! Loul! Bye! Oh, puis c'est là qu'ils me donnent trop de champignons. Non mais t'es pas sérieux. Et eh bien, là, vraiment là, on va se quitter pour une prochaine vidéo. Sarcelle. Portez-vous bien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À la prochaine. Bye bye. Ah, un pouce bleu s'il vous plaît.